Avant de commencer l'explication, si vous êtes un étudiant, un ingénieur débutant ou même un expert, cette vidéo vous aidera à comprendre une différence fondamentale entre les différentes équipes de travail dans le domaine de la construction et du génie civil. Dans cette vidéo, vous apprendrez les choses suivantes. 1. Comprendre le rôle du chef de chantier. 2. La différence entre conducteur de travaux et chef de chantier. Le chef de chantier joue un rôle de premier plan dans les entreprises du BTP. Il dirige les équipes, contrôle, coordonne et planifie les travaux. Associé aux phases préparatoires comme à la gestion financière, il assure également l'organisation du chantier. Sur le terrain, le chef de chantier contrôle quotidiennement l'avancement et la qualité des travaux menés. Il veille au respect des délais, à l'application des règles de sécurité, et il transmet des rapports aux conducteurs de travaux. Quelle est la différence entre conducteur de travaux et chef de chantier? Le conducteur de travaux et le chef de chantier représentent un seul et même métier. À la différence que le chef de chantier est responsable d'un chantier, alors que le conducteur de travaux en gère plusieurs à la fois. Le chef de chantier seconde alors le conducteur de travaux dans la gestion des chantiers.